Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nouvelle et dernière vidéo unboxing sur cette sortie d'Ichiban Kuji Dragon Ball Tenkaichi Budokai. Et aujourd'hui, donc, comme vous pouvez le voir, nous aurons du Shishi. Shishi, je l'ai jamais eu encore en figurine. Donc franchement, je la voulais. Franchement, je vous mens pas que je la voulais. J'ai Goku, j'ai Shishi, j'ai Gohan, j'ai Videl. Voilà, j'essaie de faire toute la petite famille. Et voilà, aujourd'hui, on est sur du Shishi, donc du Dragon Ball, de la Masterlize, de l'Ichiban Kuji. C'est parti. Donc voilà, nous sommes avec la boîte Dragon Ball Masterlize Ichiban Kuji, le lot B Masterlize, encore une fois, Bandai Namco, et la petite boîte. Franchement, je trouve que c'est la plus belle boîte de cette sortie, vraiment avec les petits nuages, les petits détails par-ci par-là, le rouge. Je trouve que la boîte elle est vraiment hyper clean, vraiment hyper clean. Et moi je kiffe de ouf, voilà le petit tampon pour ceux qui voudraient. Voilà, et on va tout de suite regarder la figurine. Donc voilà, je suis avec la petite Shishi. Là vous allez vous dire, ah ouais, elle pose dynamique et tout. Ouais, franchement c'est cool, ça me fait penser à mon petit Yamcha et mon petit Tao Pai Pai. J'ai la même pose pratiquement, assez dynamique, avec les jambes écartées, les bras aussi, tout ça, tu vois, tu connais. Mais le truc, c'est que, bon, bah déjà, ce qui différencie de celle que je viens de vous citer, elle est de l'autre côté, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre contre, par exemple, Yamcha ou Tao Pai Pai, ça fonctionnera très bien, parce qu'elle est positionnée de l'autre côté, en fait, au niveau de la posture. Donc ça peut être cool si on veut faire... Si voilà, on veut mettre un peu de dynamisme dans sa collection, dans son rangement, ça peut être cool, franchement, sincèrement. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, je voulais la Shishi, hein, comme j'aimerais avoir une Bulma, mais la Bulma cosmonaute, j'ai pas pu l'avoir d'une, parce que je pense que je l'aurais bien prise en vrai. Mais en soi, je la préférais dans une tenue plus classique. Tandis que là, bon, bah, la Shishi. Voilà, je vais pas vous mentir que ça risque de pousser un petit coup de gueule quand nous verrons les détails de cette figurine. Mais avant toute chose, Kiji Japan Kuji, cadeau! Et voilà, hein, Franck et Jérôme, ils connaissent très bien ce que j'apprécie, et j'ai de nouveau le droit à une belle petite affiche, hein, voilà, avec du Yamcha, du Tenjian, du Shishi, Kukulin et Tortue Géniale. Ça fait vraiment kiffer au tournoi, voilà, c'est juste magnifique, moi je kiffe ça. D'ailleurs, je suis en train de repositionner mes affiches sur un côté du mur, peut-être que je vous montrerai ça dans la vidéo, je ne sais pas, mais... En tout cas, merci beaucoup, parce que ça, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi tu as sorti le bon vieux Yamcha, qui d'ailleurs, il est magnifique, ce Yamcha. Alors, franchement, il est incroyable. Et ben justement, c'est pour te faire la démonstration comme quoi tu peux mettre Shishi face à du Yamcha. C'est très bien. Voilà, c'est parfait. Si tu as envie de mettre un peu voilà, de dynamisme dans ta collection, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec un petit fond, ça peut le faire, ce genre de figurine-là, c'est le top. Il y a du dynamisme, tu peux faire fonctionner ça avec une autre figurine en face, c'est parfait, il n'y a rien à redire. Donc voilà, c'était juste pour faire la petite comparaison en termes de posture, et c'est incroyable. Mais la petite Shishi, comparée au Yamcha que nous avons sur le côté, c'est pas le même level. C'est pas le même level de... Je sais pas trop comment dire. Alors, je sais, il y en a certainement qui vont me dire, mais là, on a complètement le côté animé, le côté manga. On a vraiment ce truc lisse, ce truc vraiment... c'est du dessin, quoi. Ok, les gars, ok, mais là, on est quand même sur des figurines. Quand on voit le Yamcha qui date d'il y a quelques années et la Shishi à côté... En termes de détails, de tout, hein, de tout en globalité, que ce soit en termes de peinture, de détails, de rendu, de structure, de modélisation, c'est un level vraiment. On était là avec Yamcha, là on. Tu vois, on est carrément derrière le meuble, quoi. C'est fort dommage, parce que c'est rare qu'on ait des figurines avec autant de dynamisme dans la posture.
Et franchement, c'est aussi très rare qu'on ait du chichi. Moi, depuis que je débute, c'est la première fois que je vois une chichi, si je me trompe pas. Je veux bien le côté animé, le côté manga. Ok, d'accord. Ça fait très old school là en termes de figurines. Alors peut-être que c'était l'effet escompté, mais sincèrement j'en doute fort. Parce que là les gars, ça, je peux vous le reproduire. Achetez-moi de la pâte à modeler. Je vous le refais. À l'identique. C'est-à-dire que j'ai quelques couleurs unies. Voilà, j'ai du rouge, je sais pas trop c'est quoi comme rouge, rose, du bleu, du noir, du blanc, du rose. C'est terminé quoi. J'ai pas besoin de me faire chier à faire des teintes, à faire. Voilà quoi. Y a rien. Alors, elle est jolie en soi. Elle est jolie. Et franchement, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Mais franchement, ça va peut-être en faire sauter plus d'un, mais du AliExpress peut faire mieux que ça, quoi. J'ai vu des figurines AliExpress, franchement, mieux que ça. Parce que là, ok, c'est du Chibankuji, c'est du Bandai, c'est... Voilà. Pas de problème, les gars. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais... Non. Tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien. C'est... Encore heureux qu'on reconnaisse Chichi. Mais il n'y a rien. C'est... Il n'y a aucun. À la limite, le seul petit dégradé qu'il pourrait y avoir, c'est sur le bleu en haut. Voilà, on voit c'est un peu plus noirci ici au niveau de la poitrine, au niveau des plis. Il y a quelques petits plis qui est d'ailleurs assez cool. Hein, ça donne du dynamisme aussi à la pièce. Ça, c'est plutôt cool. C'est un des détails qui est plutôt intéressant sur cette pièce. Sinon, au-delà de ça, c'est très grossier. C'est très. Voilà, là c'est la même couleur, c'est uni, le blanc, ils ont essayé de faire des teintes un peu grisottes dans les plis, les chaussures c'est pareil, le visage très effacé, enfin c'est à la limite si on remarque même pas le nez tellement c'est effacé. Le regard il est pas mal, c'est des petites pastilles, ça c'est plutôt cool, la bouche ils sont pas fait trop chier non plus, les doigts... Ça est coûteux, plutôt pas mal, mais pareil, hein, aucune structure dans le sens où il n'y a aucun détail, il n'y a aucun pli, il n'y a rien. L'intérieur de la main, au pire, allez, ouais, ok, c'est très effacé. Puis les cheveux, déjà, on a une jointure dégueulasse, mais genre, tu peux pas, t'en as même plusieurs en fait, tu l'as ici. Et t'en as une en plus sur le côté, en plus de celle qui fait tout le tour de la tête, quoi. Genre vraiment, là, la petite mèche ici qui est sur le côté, là, c'est un bloc. Hein. C'est un bloc. Genre, ils ont rajouté vraiment un bloc. Et sur l'autre côté, on l'a pas, tu vois. On l'a pas du tout. Ils ont voulu l'effacer. Si on l'a, mais ils ont voulu l'effacer. On peut le voir grâce à la lumière. Le derrière, bon, bah voilà, c'est... Franchement, je sais pas quoi dire, j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis parce que autant oui, tu peux apprécier la figurine parce que voilà, c'est vrai que c'est fait d'une manière assez old school, assez... T'as l'impression de voir la chichi quand tu regardais vraiment l'animé, ça je suis d'accord. Je suis d'accord que si c'était l'effet escompté, bah si c'est ça, c'est parfait, c'est super bien réalisé, il y a aucun problème. Genre parce qu'on a vraiment ce côté animé en fait, ça il y a aucun problème. Si c'est ça, c'est parfait. Mais par contre, quand tu t'attends pas à ça... Alors j'avais déjà vu les photos, moi. J'avais déjà cet avis-là avant même de l'avoir acheté. Mais au-delà de ça, je la trouve vraiment cool, cette chichi, par ce côté dynamique. Puis sa tenue aussi, c'est vraiment à l'ancienne. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'en termes de finition... Voilà, j'en attendais un peu plus, mais là j'ai l'impression que cette sortie là, ils ont commencé à,
être un peu défaillant, un peu fébrile, les mecs. Et sur la sortie justement d'avril, là tu vois qu'il y a du laisser aller comme pas possible. Là c'est limite, ils t'ont fait les figurines bourrées, sous substance. Enfin, t'as l'impression que les mecs en ont plus rien à foutre en fait. Et pourtant ils se rattrapent hyper bien au mois de mai, donc ça a à voir encore. Hein, mais ouais, là cette sortie là c'était un peu. Voilà, mais la sortie d'avril, moi de ce que j'ai vu, à part la Trunks qui reste potable, mais le reste c'est catastrophique. Non mais pour la chicha, après, je peux pas rebondir sur ce que je vois parce que j'ai déjà tout dit en fait, puisqu'il y a rien. Le seul truc qui est intéressant sur la figurine, je parle bien en termes de détails ou quoi. Voilà, c'est la tunique avec cette petite vague, ces petites rainures, ces petites avec la petite colorisation un peu teintée, avec des bleus différents. Bon, ouais, ok, c'est plutôt bien réalisé, mais le reste, c'est plat, quoi. Limite, les deux doigts qui sont comme ça, là, ici, t'as l'impression que c'est juste un bloc, que c'est pas deux doigts découpés, tu vois ce que je veux dire? Ils auraient pu rajouter quelques... je sais pas... Franchement, ils auraient pu faire beaucoup plus. Alors peut-être parce que c'est une fille et du coup, ils ont fait... c'est vrai qu'elle a pas des muscles saillants comme Yamcha, là où c'est structuré partout, tu vois tous les muscles, toutes les fibres et tout. Ça, je peux le comprendre, mais c'est trop effacé, là. Là, c'est typiquement l'animé et en figurine, bon... Alors oui, ça peut être cool, mais ça rentre pas dans toutes les pièces qu'on peut avoir en fait dans une collection. Moi là, je vais la mettre parmi toutes les figurines, elle va faire effacer en fait, tu vois, elle est livide en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis un peu déçu franchement, mais après j'ai la petite chichi en mode combattante, donc je me dis c'est plutôt cool et je pense pas que ce soit demain la veille qu'on ait une chichi aussi charismatique par la posture et qui soit aussi rétro entre guillemets. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette chichi et pour le coup bon, on va se retrouver pour l'outro. Bon bah voilà les gars, la vidéo est terminée. Bon bah voilà, première déception de l'année après la première sortie de l'année. Attention, déception, faut doser. C'est pas moi ce que j'attendais d'une chichi quoi. Après il y en a qui vont certainement la kiffer parce que c'est fait d'une manière assez rétro, assez old school, très effacé pour une fille d'un animé. Moi j'aurais aimé que ce soit un peu plus structuré, un peu plus détaillé, je vous avoue. C'est un peu dommage. Je demandais pas grand chose en soi, mais là c'est trop livide. C'est dommage parce qu'il y avait tout, il y a la tenue, il y a la posture, le visage on la reconnaît très bien, mais c'est fait à la va-vite quoi, c'est fait d'une manière qui est... c'est à la limite d'être honteux de vendre ça à ce prix là quoi, genre parce que vraiment je te jure tu me donnes de la pâte à modeler, je te le fais en 2-3 heures quoi, enfin même pas, c'est pas compliqué à le faire, mais bon. C'est comme ça, mais je suis quand même très content de l'avoir, ceci dit, hein, parce que ça reste une chichi, la posture est cool, et voilà. Mais première petite déception, c'est comme ça, ça arrive. Après, je l'ai acheté en connaissance de cause, et je voulais quand même la chichi, et comme je vous ai dit, c'est pas dans la veille qu'on va avoir une chichi aussi cool, en vrai, en termes de posture et tout. Dans des sorties Ichiban Kuji. Donc je vous remercie énormément. Je remercie énormément Japanco, Franck et Jérôme, comme à mon habitude. Et je vous fais des gros gros bisous. Peace, mais pas sûrement.
petit code promo Clemento pour avoir 5% de réduction sur tout le site Jappenco, sauf hors code promo. Exemple, si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner, la réduction se fera sur l'article en question.